Et bonjour à tous, on se retrouve sur la troisième vidéo tuto de la chaîne sur comment tricher avec son héros créé. Alors pour cela il faut au préalable au moins créer deux héros, voire plus si vous voulez tricher encore plus, c'est possible. Il vous faut mettre tous les héros au même niveau de pouvoir pour tricher sur les prochains emplacements de pouvoir. Donc la manip est assez simple. Alors choisissez d'abord le héros sur lequel vous voulez tricher, donc moi je vais tricher sur l'archer elfe. Donc je me place sur le nomade, j'appuie sur personnaliser et très vite je vais descendre d'un cran sur le Noldor. Tac, comme ça. Voilà. Vous avez votre héros créé avec potentiellement les pouvoirs du sorcier. Là, vous pouvez voir, c'est vraiment tous les pouvoirs du sorcier. Il n'y a pas la tornade ou la pluie de flèches normalement qui est donnée aux elfes. Donc vous pouvez faire ça. Après terminer, vous mettez un autre héros créé. Je vais le faire ça direct en direct. Donc par exemple si vous voulez un héros nain, enfin les pouvoirs d'un héros nain, vous le mettez au même cran que celui des elfes, donc qui était à 4 je crois. On va même faire peut-être mieux, on va faire comme ça, tac, voilà. Donc là vous êtes au même cran, vous recommencez la manip, personnaliser plus monter, tac. Et maintenant vous pouvez en plus donner des pouvoirs du héros nain à votre elfe, et vous pouvez faire ça sur les 10 pouvoirs. Bon, par contre, si vous faites plus que 5 pouvoirs différents, ça risque de faire bugger le menu des pouvoirs sur votre héros créé au final. Donc, peut-être lui donner maximum 5 pouvoirs. Sinon, il y a quelques pouvoirs qui risquent de disparaître au fur et à mesure qu'il prend des niveaux. Donc, j'espère que ce petit vidéo tuto vous a plu. Et on se retrouve pour d'autres vidéos. À plus!